complice. Les libéraux très très rapides qui vont souvent donner des balles. Alten, qu'on n'a pas beaucoup vu. Attention. Et puis par Sean Macaire. Une erreur de défense sur incompréhensible. Sean Macaire qui ne paraissait pas aller très très vite, regarder. Alors que Marie le laisse filer. Et malgré l'intervention de Winkler au dernier moment, c'est le but. C'est lui qui remet tout en question ici. Puisque maintenant le score total, l'heure de jeu qui vient de s'écouler, le score total, c'est le 4 à 2, 2 buts d'avance pour les Néerlandais. Autant dire que la tâche de lance se complique, bien entendu, c'est presque une lapalissade. Et il faudra jouer plus vite et plus précis à Nantes. Le nouveau save encore. Attention. Et deuxième but. Deuxième but. Van Leeuwen, la 25, qui s'est signalé depuis le début de la rencontre. Et le score, un deuxième but à Lens. C'est la confirmation parmi les 26 000 spectateurs que sont ici aujourd'hui le Stade Vollard. On peut dire même que c'est la surprise, alors que le jeu était pratiquement équilibré de part et d'autre. On sentait malgré tout un certain manque de tenue dans l'équipe lançoise, mais surtout à la hauteur du milieu de terrain, il y a eu deux fautes de défense énormes. Hopkin. Jean Tomic, il va très vite, il a tout. Et là, le tireur, il est dans le but. Et bien, il a dans le but. Et bien, il a l'équipe de ça, un de le bon c'est un. Voilà, Hopkin, qui donne la balle à Jankovic, qui est en premier droit, et ça revient. Le fauve, et c'est le pénalty indiscutable. Mais attention, c'est Boudica qui tire le pénalty, mais le gardien de but néerlandais, qui, tenez-vous bien, la saison dernière, en championnat de Hollande, a arrêté 8 pénaltys. Eh oui, 8 pénaltys, il a arrêté ce gardien de but, alors que c'est Boudica qui tire le pénalty. Et bien, ce n'est pas le deuxième pénalty à réponse à 10, 2-1. Voilà, les lanceurs reprennent espoir. Alors qu'il reste 8 minutes, 5 minutes au jeu. En première distance, et avec le temps et le jeu, il y a des préférés, 7 à 8 minutes. Le public n'a pas fait un tel à nouveau. Là, ça a été 2 buts de retard pour l'attaque de match. Alors que Ferrari sort et... Bien entendu, est à l'attaque, c'est normal. Et avec les avants néerlandais, on ne sait jamais, regardez, reste tout seul. Van Leeuwen encore lui, regardez. Schumacher, je vous avais dit que nous pouvions assister à un but de la part des néerlandais, cela se sentait. L'équipe lançoise, bien entendu, c'était son rôle, était devant. Et Van Leeuwen et Schumacher ont encore fait des dégâts, regardez la passe de l'avant-centre à Schumacher et le tir du pied droit. La noix, c'était le risque qu'avait pris les Lensois, bien entendu, n'avait plus rien à perdre. Le score importe peu, puisque maintenant on peut se dire la défaite est là. Et ces avants très percutants, que sont en particulier Van Leeuwen et Schumacher, nous venions en parler quelques instants auparavant, ont réussi encore à passer cette défense.